En fait, la moto est tombée. Hello les potes, c'est Dips. On se retrouve aujourd'hui pour un petit daily observation. C'est un putain de T-Max. Salut. Merci, merci. Combien de chevaux? Combien de chevaux? 123. Hein? 123. Combien? 123. What? 123 chevaux? Ouais. Combien de centimètres cubes? 765. Ah, je me suis dit, Ah! Bonjour. Bah, vas-y, vous avez pas pour non, non. C'est à vendre? Ah, pardon? C'est à vendre? Non, non, c'est juste des photos comme ça. Pour le plaisir. Ouais. Merci à vous aussi. Oh putain. Oh putain, je me suis chié dessus. Elle est partie de l'arrière. Oh, oh putain. Et il m'est arrivé un petit problème. Enfin, en fait, la moto est tombée. Et il y a eu quelques petits dégâts. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'étais avec Spitz et Iridium. Et voilà, on s'est arrêté. Et j'étais à côté de Spitz. Et ce qui est arrivé, c'est que mon slider sur la moto. Donc il y a la moto comme ça. J'étais comme ça, mon genou avec la combi matracing, bah, il s'est coincé ici ou ici, un des deux. Et ça, en fait, ça m'a bloqué entre le cale-pied là et ça. Et du coup, j'ai pas pu mettre mon pied à terre et la moto a commencé à pencher tout doucement vers la gauche. Et ben, en faisant ça, ben, elle est tombée sur Spitz. Du coup, avec ma main, j'ai essayé de tenir son rétro. Et bah ouais, avec le poids de la moto plus sa moto, bah, je suis tombé sur lui. Et l'arrière a été fissuré avec soit son cale-pied arrière, soit avec son pot d'échappement. Elle démarre, mais le problème c'est que bah voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a le capot de selle qui est fissuré. Après, j'ai toujours la selle passager, mais il y a quand même ce morceau là à voir. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit récapitulatif de ma chute de merde. Vraiment de merde. Bah, au lieu de mettre le crash bar, bah, j'ai pas mis la protection de carter. Et du coup, le carter aussi. Frotté légèrement. Un peu beaucoup dégoûté. Et on va essayer de la remettre en état assez rapidement. Parce que là, on est fin février. Comme vous pouvez voir, le rodage, bah, il reste plus grand chose. Hein. 246 km et je peux faire la révision. Donc on est à 555 km. Le rodage n'est même pas fini. Et la moto est déjà abîmée. J'ai extrêmement de la chance. Bah, j'ai vraiment une poisse de ouf. C'est abusé entre la moto, celle-là. Bah, en fait, chaque année, bah, en début d'année, en fait, c'est pas fait pour moi. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était une vidéo extrêmement rapide pour juste vous faire un petit récapitulatif de ce qui m'est arrivé. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Je suis encore désolé, mais c'est les choses qui arrivent. Voilà, c'était Dips Biker. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci les gars, peace.